Bonjour à vous tous amis d'Abricole, je publie moins de vidéos, pourtant je ne suis pas malade, je n'ai pas divorcé, je n'ai pas déménagé et je ne suis pas devenu fou, enfin, pas plus que ce que je l'étais avant. Alors pourquoi je publie moins de vidéos? Tada! Parce que j'écris un livre, yes! L'autonomie énergétique, les panneaux photovoltaïques, donc on va parler pas mal électricité, avec les éditions Marabout. Moi j'ai fait le fond, eux ils ont fait la forme, et du coup ça m'a fait un livre très sympa. Pourquoi l'électricité? Parce qu'on en consomme de plus en plus et ça va être amené à continuer encore à augmenter. Du coup on est perdu quand on veut être autonome un minimum en électricité. Du coup chapitre par chapitre, on y va, on avance pas à pas. Donc l'idée c'était ça. Si on peut mettre un panneau solaire petit sur une fenêtre pour alimenter la nuit en tout cas avec une batterie, une ampoule, et ben, est-ce qu'on peut le faire avec deux ampoules et puis charger un téléphone portable ou un ordinateur, puis un vélo, pourquoi pas, puis une maison petit à petit, voilà. À gauche, en haut, il y a des petites icônes, soit il y a un pylône parce qu'on est en réseau ou il est barré, ben, on n'est pas sans réseau, ou une batterie, parce qu'on est sans batterie ou elle est barrée, on n'est pas. Du coup, voilà, il y a plein de chapitres là-dessus. Il y a des fois avec réseau, sans réseau, des fois il y a même sans réseau, sans batterie, ben, parce qu'on consomme l'électricité quand elle est là, et puis la nuit, ben, on dort et on peut s'amuser quand même à faire pas mal de choses avec. Y a tout un peu le feedback aussi des éoliennes et des modules pelletiers. J'ai fait pas mal de vidéos sur le sujet, mais il n'y a pas eu de retour en vidéo, donc voilà, j'en ai pas profité pour en parler là-dedans. Qu'est-ce qu'on a? Il y a 2-3 calculs qui justifient mes propos. Soit vous me croyez, soit vous ne me croyez pas, ben, y a le calcul derrière, mais on est prêt de le faire. Y a des petits encadrés sur la bonne voie, parce que je considère que c'est sympa de commencer l'autonomie avec un petit panneau solaire, mais si c'est pour en mettre plein de sa maison et au final produire pour que dans sa cave il y ait plein de lumière sodium qui consomme beaucoup d'électricité pour faire pousser des salades hors sol, là moi j'ai dit non, non. Donc il y a des petits encadrés qui sont voies sans issue, voilà, qui avec un peu de cynisme explique mon point de vue sur les limites de l'autonomie et l'électricité ou l'énergie de manière générale. Qu'est-ce qu'on a aussi? Il y a plein de photos sympas, des photos, des accessoires qu'on a besoin pour utiliser l'électricité produite par les panneaux photovoltaïques. Il y a la référence dessous, donc on tape la référence, on cherche l'image qui est fidèle à ce qu'on va trouver. Et comme ça, c'est assez facile à trouver. Qu'est-ce qu'il y a d'autre de sympa? Il y a des illustrations, des dessins, là, des dynamiques très, très chouettes qui égayent un petit peu ce manuel. Chaque fois que les chapitres se suivent, c'est une vision globale d'un peu toutes les vidéos que j'ai faites. Et quand on arrive dans un chapitre où il y a une vidéo spécifique qui a traité du sujet, il y a un petit encadré, souvent il y a une petite image. Et sinon, il y a en tout cas le titre de la vidéo, le résumé de la vidéo, puis un flash code, un QR code qui permet d'aller directement sur Internet, sur YouTube, voir la vidéo pour approfondir un petit peu le sujet, le chapitre. Voilà. Quoi vous dire d'autre? Ben 150 pages, 16,50 € aux éditions Marabout. Alors, on peut trouver ce livre directement chez Marabout. Et puis là, on peut cliquer, j'ai vu, sur la librairie la plus proche. Et puis si on n'arrive pas à se déplacer et qu'on veut se faire livrer, j'ai vu que la Fnac, chapitre.com ou Amazon livraient ça à domicile. Voilà, ou dans des points relais. Alors, rarement, je dis, mettez un pouce bleu, un commentaire et abonnez-vous parce que je trouve ça prétentieux. Soit vous avez envie de le faire et c'est spontané, sinon ça ne me plaît pas trop. Parce que je n'ai pas publié, je suis un petit peu moins vu sur YouTube en ce moment, la chaîne a un petit peu baissé, ce qui n'est pas grave du tout, parce que je me suis consacré à ce livre. Mais si vous pouviez, en même temps que vous m'écoutez, là, mettre un petit pouce bleu, un petit commentaire, blabla, merci Bernadette pour le livre, je me réjouis de le lire. Ça me fera extrêmement plaisir, ça fera remonter un petit peu la vidéo dans les propositions et ça permettra à des gens qui aimeraient acheter ce livre de savoir qu'il existe en tout cas pour se l'offrir. Si je publie moi aussi, c'est parce qu'on m'a prêté un lieu dans lequel je vais pouvoir recevoir des gens, soit pour des stages de week-end ou une semaine, et surtout je vais pouvoir aussi organiser des séminaires de travail avec d'autres bricoleurs sur des sujets ou des outils de l'autonomie. Du coup, c'est pas mal. Alors, le lieu est bien évidemment non raccordé ni à l'eau potable, ni à l'électricité, ni au réseau d'eau usé. Donc, c'est enfin un lieu adapté à mes vidéos. Ce sera mon nouveau studio. Un petit peu de terrain, il y a des arbres, c'est sympa.
Quoi d'autre? Ben, les vidéos à venir, il y a plein d'autres vidéos à venir, je vais être plus assidu. On m'a prêté un vélo qui est pas loin de ressembler à une voiture, mais ça reste 100% un vélo, donc il faut que j'en parle, c'est très très sympa, un do it yourself. J'ai des vidéos sur. Je cherche un tailleur de pierre à l'ancienne pour m'aider à tailler des pierres en granit pour en faire une meule à céréales. S'il y a une connaissance, ça m'intéresse. Je cherche aussi un tanneur de peau à l'ancienne pour faire des habits. En plus, parce qu'en parallèle, je travaille sur des fibres textiles végétales. Donc ça me permettra de faire deux volets sympas pour s'habiller, la mobilité, lactofermenter 2-3 végétaux pour les rendre un peu plus appétants, comestibles en tout cas. Voilà, c'est tous les projets qui arrivent et qui seront bientôt en vidéo. Eh ben, merci pour le like et les commentaires de ceux qui ont bien voulu le faire. Puis je vous dis à très bientôt pour des nouvelles histoires. Bye!